Non mais c'est forcément wardé ici. Nice. Wouh! C'est stylé ce qu'il a fait là. Je pense pas qu'il peut le dive. Il a son flash, il a pas encore heal malheureusement. On peut faire un peu plus. Super les gars. Oh, triple kill. Ah, elle fait plaisir là, Akali, ça joue. Hein. Ça joue, ça joue. Ouais. Eh, super, putain. Oh, elle est réactive là, Akali, ça fait trop plaisir. Juste me transformer. Ce serait osé. Il est là. Hein. Elle m'a fait peur, putain. J'étais en mode. Tu sais que je fais quand même quand même. Jin, ouais. Vas-y. Pourquoi Janna se met pas devant? Ah oui, d'accord. Ah ouais, j'ai compris pourquoi Janna se mettait pas devant, mais c'est bon. Ok, bien joué, bien joué. Bah, il a voulu mettre les dégâts avant de ult, je comprends, je comprends. Ah super, la game est trop bien en vrai. En fait, quand les games sont pas toxiques, je les juste trouve trop bien en fait. Les gens jouent et c'est pas toxique. C'est incroyable. C'est là où tu te dis que le jeu, il est... Il est trop, il peut être trop bien quoi. Ah j'aurais dû mettre mon tronc noir là-dedans peut-être. Je pense que ça suffira le... Ouais. Ah, je me suis pris l'ultime de Yasuo. Je sais même pas comment je me suis pris. Ah oui, la tornade de Janna, je pense. J'ai enlevé la Jinx tout de suite, mais finalement, c'est le talon qu'il faut enlever. J'avais même pas vu que c'était lui le Fed. Bon, petit ace, hein. Petit ace. Putain, mais mon équipe joue tellement bien. C'est quel, Elo? Non, 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 il y a une connerie dans le truc, là. C'est quel, Elo? Genre, ils annulent le baron, ils follow le move que je fais. Genre, ils follow ce que je fais, en fait. Normalement, j'ai pas ça. Bah, jusqu'à D2, D3. En fait, je comprends pas la game. Genre, toi. Diamant 4. Ah, D2. Ah, D2, ok. Ok. Et je me disais, c'est bizarre, les mecs, ils follow ce que je fais, genre. Putain. Et ouais, du coup, c'est un message que je voulais vous donner. Mais je le dis parfois en stream, mais... Ça a l'air si toxique parce qu'en fait des fois tu vas avoir un gameplay en jeu. C'est pas une excuse pour ceux qui stuck, mais vous allez voir que pour certains gameplays d'entre vous, bah ça va mieux marcher à Oelo. Par exemple si vous engagez des choses etc, si vous jouez des tanks, si vous jouez des Nico etc, bah ce sera plus simple à haut niveau parce que les gens vont vous suivre. Ils vont suivre ce que vous faites et ça change tout. Et ça change complètement tout. Et c'est ce que je disais, c'est à partir de D2, D3 que les gens suivent assez souvent. Pas tout le temps, mais ça arrive souvent. Et en effet, ils sont en effet D2. Ouais, non, je me disais, c'était bizarre pour du plat. Parce que je pensais que j'étais MMR plat, là. Le jeu prend vraiment... What the fuck? En fait, tu joues avec des gens qui savent jouer, donc oui, c'est tout. Tout est différent, étrangement. Ah ouais, c'est... Oh, quel bonheur. Parce qu'en fait, j'ai pas besoin de tout faire. Tu vois, il y a des gens, ils sont en mode... Hey, tu sais jouer ton personnage, toi. Trop bien. Donc les goals que je vais te donner, genre le triple kill qu'on a donné à Akali en mid-game, j'en ai... Tu vois, je suis en 2-7-16. J'ai aucun kill. M'en fous. Mon équipe sait jouer. Et c'est pour ça que des fois, je tilte en stream, parce que si je suis un elo où je donne tous les kills à quelqu'un qui sait pas jouer, bah, c'est très frustrant. C'est pour ça que moi, je préfère évidemment jouer à Oelo.
comme je pense beaucoup d'entre nous. Donc lâchez rien les gars. Les gens commencent vraiment à bien jouer à partir de D2, D3. Moi c'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Après voilà, ça dépend des gens. Mais exceptionnel ça Akali. Donc aujourd'hui on a été sponsorisé par Instant Gaming. C'est un site, si vous le connaissez pas encore, vous avez perdu déjà beaucoup d'argent les gens. C'est dommage. C'est un site où vous allez pouvoir acheter vos jeux les moins chers sur le marché, mais vraiment les moins chers. C'est du moins 30% sur des jeux qui viennent de sortir, ça n'a aucun sens. C'est des jeux digitalisés, vous les avez instantanément. Moi, j'ai jamais eu de problème, j'ai déjà économisé. Je pense que je suis à 500 là. Je pense que je suis à 500 euros d'économisé. Donc vraiment, lien dans la description. Foncez sur le site, genre je vous mets ça comme ça. Je vous conseille ce jeu-là fortement les gens. Et boum, la transition Minecraft, même moi je le savais pas. Aujourd'hui, je vous parle de Minecraft, pourquoi? Parce que, évidemment, on est sponsorisé par Instant Gaming. Du coup, je vous conseille d'acheter le jeu. Mais pourquoi acheter le jeu sur Instant Gaming? Alors, évidemment, c'est moins cher, mais vous allez pouvoir nous rejoindre dans notre univers, dans notre monde que nous avons créé. Donc c'est le serveur de la communauté. De la communauté, oui c'est ça. Et donc si vous voulez l'IP etc, c'est gratuit, il y a des places pour tout le monde. C'est la dernière version du jeu, mais pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai caché des trésors sur la carte. J'ai caché des trésors et il y a quoi dans ces trésors? Bah, vous allez pouvoir avoir des récompenses. Et les récompenses ultimes, il y en a 3, c'est des cartes prépayées, Instant Gaming, où vous allez pouvoir acheter par exemple des RP pour League of Legends, etc. Donc il faudra explorer le monde. Nous avons déjà... pré-shot la génération des blocs, donc ça va pas laguer, ne vous inquiétez pas. Là on vient de voir un joueur qui est parti dans la faille marchande. Je vous laisse découvrir le monde. Évidemment là nous avons l'auberge où tu vas pouvoir choisir une des factions, tu vas avoir un petit peu les règles. Il n'y a pas beaucoup de règles, hein. On est juste en mode chill. Moi vraiment, hein, si tu trouves ma maison un jour, je fais juste pêcher sur mon petit lac artificiel. Donc il y a vraiment... c'est vraiment moi, je suis dans un autre monde. Là, on est dans la faille marchande. Il y a des shops, en fait, où les marchands vendent leurs choses pour trade. Là, Sweet Avocados est en train de faire ces trucs. D'ailleurs, Sweet Avocados ira sûrement... Il sera jugé, Sweet Avocados, parce que je crois qu'on a découvert une de ses usines. Et il sera jugé très, très violemment. Du coup, voilà, je vous laisse dans le serveur. Évidemment, je suis tout le temps en mode survie. Là, c'était juste pour vous faire découvrir un petit peu la map au début. Donc, je me permets de voler. Et je vous dis bonne chance à tous pour trouver les trésors. Il y en a des très compliqués. Évidemment, les compliqués, c'est là où il y aura les meilleures récompenses. Bonne chasse, bonne chance, bon jeu, bon chill. Et à très bientôt sur le serveur. Lien dans la description. Tout est sur Discord aussi. On est en vocal. Donc, à très bientôt. Ciao.